Hey mes pastèques, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, oui je suis en pyjama, on est le soir, il est à peu près 22h bientôt, bref on s'en fiche. J'ai oublié d'allumer mes éclairages, je vais faire maintenant. Voilà, mes petites lumières lumineuses. Et c'est parti, donc comme vous l'avez vu au titre, c'est pour vous montrer mes petites robes que j'ai fait avec mes amis, donc... Let's go! Donc tout d'abord, j'ai pris à une amie, enfin, à une amie que vous connaissez pas, mais l'autre vous la connaissez, vous l'avez vue plusieurs fois, je pense, sur ma chaîne. J'ai pris à une amie. Alors, je vais pas vous dire contre quoi j'ai échangé ou quoi, parce que je m'en rappelle plus du tout. J'ai pris ceci. Il me plaisait super. Il était super bien là pour cet été. Il me plaisait trop. C'est un genre de chemisier transparent avec des petits trous, vous voyez. Des petits motifs comme ça. Il me plaisait trop. Donc, il est comme ceci. Devant, c'est pas décolleté. Hein. On peut attacher les boutons. Avec un petit peu des genres de froufrou sur le col. Oui, ça s'appelle comme ça. Alors, ça vient de la marque Kiabi et c'est taille S. Voilà. Je l'ai trouvé trop joli là pour cet été avec un débardeur blanc. Comme ça, il rend pas très beau, mais il est super beau. Et au niveau de la poitrine, vous avez un resserrage, si je peux dire comme ça, mais que devant, derrière, non. Comme ceci, voilà. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, bah, trois produits de beauté, mais d'abord il y a encore un truc mode, c'est que je l'attrape, c'est ceci. Donc c'est un sac à main comme ceci de la marque Galanterie, oui c'est ça. Donc qui se présente comme ceci, il est noir ici. Et il est un peu beige taupe après au reste du sac. Il est super bien et en plus vous avez le petit logo Galanterie aussi. Vous avez plein de poches à l'intérieur, donc il y en a là. Les poches noires, enfin les côtés noirs c'est des poches aussi. À l'intérieur il y a plein de poches. Alors c'est mon sac à main, mais bon bref. À l'intérieur nous avons plein de poches aussi, il est super bien. Cherche de base un sac à main couleur clair et lui il allait, mais je voulais un plus clair que ça, mais c'est pas grave. Et ensuite à la même personne je vais échanger, alors c'est un de la marque Caudalie, c'est le parfum divin de Caudalie, je voulais poster sur Instagram. Il est comme ceci, je sais pas si on va voir ici le là peut-être. Voilà, alors il reste la moitié, il sent super, super bon, il sent le bébé un peu sucré, je ne saurais même pas vous dire. Voilà, de la marque Caudalie. Voilà, le bouchon est en bois, il est trop joli le bouchon. J'aime beaucoup. Voilà, il fait 50 ml, mais du coup, comme je vous ai dit, il reste la moitié. Ensuite, un autre produit que j'avais déjà en échantillon, que j'aimais beaucoup, et là bah du coup je l'ai en vrai produit, c'est de la marque Vichy, c'est le Minéral 99, comme ceci, je sais pas si on va bien voir. Il reste aussi, je dirais légèrement un peu plus que la moitié, voilà, je sais pas si on va bien voir, je suis désolée, voilà. Il fait 50 ml, mais comme je vous ai dit aussi, il reste un petit peu plus que la moitié, pas la moitié mais un petit peu plus au dessus, mais c'est environ vers la moitié quoi. Donc voilà, je suis très contente, j'ai hâte de le commencer, parce que je préfère pas le commencer, j'ai un autre produit à terminer et après je le commencerai. Et ensuite là j'étais très contente de la marque Lancôme, c'est le teint Idol Ultra White Rare, je sais pas comment on dit, dans la teinte 35. Comme ceci, voilà, dans la teinte 35, mais là on va rien voir.
C'est un Lancôme, un vrai. Je l'ai testé, il est un peu trop foncé, mais c'est pas grave parce que pour cet été, ça va être super bien. Désolée si je regarde le retour caméra, mais vu que j'ai changé, normalement, l'objectif est de ce côté-là. Du coup, j'ai pas l'habitude. Bref, on s'en fout. Donc voilà, pour ce fond de teint. En plus, on l'aurait remarqué que j'ai l'habitude que l'objectif soit là, mais bon. Donc voilà. Et c'est tout pour cette personne. Et elle m'a rajouté, du coup, un petit échantillon du Instore Poreless de chez Clarins. Comme ceci. Je ne connaissais pas ce produit. Ça doit être nouveau dans leur marque. Comme ceci. Elle m'a rajouté le parfum Scandale. Lui, je le connais, donc je l'aime d'amour. Et ça doit être un baume apaisant après soleil, visage et corps. Comme ceci de chez Clarins aussi. Voilà. Donc ça, je les testerai, les échantillons. C'est vrai que j'en ai plutôt pas mal, mais à chaque fois, j'oublie et je les teste pas. Et puis la plupart des produits que j'ai en échantillon, c'est des marques assez chères et que je peux pas forcément me procurer parce que je suis une petite youtubeuse beauté et j'ai pas le but. Ensuite, on va passer à l'échange que j'ai fait avec Margot, donc ma meilleure amie, voilà. J'ai fait quelques échanges avec elle. Je vous ai posté aussi pareil les produits sur Instagram. Suivez-moi sur Instagram, je poste assez régulièrement les nouveautés, etc. Et il y a même des nouveautés que je pense pas à vous montrer sur YouTube parce que soit il y en a trop et ça fait trop long de vidéos parce que quand je fais trop long mes vidéos, je peux pas les publier parce que mon téléphone est nul. Enfin, il est pas nul, mais il veut pas que je mette une vidéo plus de 25 voire 20 minutes des fois où je suis obligée de les mettre mais en qualité basse quoi, je peux pas les mettre en HD. Bref, je vais tout de suite commencer parce que sinon elle va être trop longue, je vais pas pouvoir la mettre. De chez Palmer, c'est l'huile de coco, donc c'est un lait hydratant corps qui fait 50 ml, donc voilà, il sent super bon, j'ai hâte de tester. Ah ouais, ils sont super bons, ça pour cet été, pour aller en voyage, parce que je pars au camping, ça va être tip top. Ensuite, de la marque Yves Rocher, vous savez que Yves Rocher, je suis en amour. C'est un lait velouté à la noix de coco. Voilà, vous voyez, il est très peu utilisé, même le Palmer, s'il est neuf. Hein. Lui, il est neuf. Je dis il est très peu utilisé, mais il est neuf. Ensuite, de la marque DWTN, c'est une encre à lèvres, voilà, comme ceci, vous verrez peut-être pas la marque ou quoi, mais voilà, ça se présente comme ceci, qui fait 7 ml, et en fait, c'est une encre à lèvres, alors faut secouer, et faut l'appliquer, il est très liquide, et voilà l'embout. Je vais pas vous... Oh si, je vais vous le swatcher, mais il est très très liquide. Il faut faire plusieurs passages. Voilà, il est comme ceci. Vous voyez, c'est très très liquide, quoi. Donc voilà. Je l'ai déjà essayé une fois et je trouve qu'il tient pas si bien que ça sur les lèvres. Mais j'avais mis qu'une couche et c'était à l'arrache. Donc peut-être en appliquant deux couches, ça serait mieux. Et il a des petits reflets, mais je sais pas si on va bien voir. Mais genre, il a des petits reflets rose violet. Je sais pas si on va bien voir, mais une fois appliqué, ça se voit pas tant que ça. Ensuite, de la marque Guerlain, alors c'est des échantillons, hein. C'est quoi ça, qui fait 3 ml, c'est alors qu'est-ce qu'elle m'a expliqué, j'ai oublié, c'est l'orchidée impériale. À ce que j'ai compris, à ce qu'elle m'a dit, c'est une crème visage teintée universelle qui protège 50. Donc voilà, comme ceci. J'ai hâte de tester aussi. Je vais vous montrer le petit tube, hein, mais c'est un petit tube, c'est pour tester, ça me fera le visage. Moi, ça me dérange pas. Et le produit que j'ai kiffé, et merci de me l'avoir passé. Franchement, si tu passes par là,
J'adore, j'ai juste trop hâte de l'utiliser. Même si c'est en petit format, je voulais me l'acheter en grand, mais quand j'ai vu le prix, j'ai fait, oh, je vais pas user autant d'argent pour un produit comme ça. Et en plus, je l'avais pas testé, donc là, je pourrais le tester et pourquoi pas économiser pour l'acheter si je le trouve super bien. C'est de chez Guerlain, pareil. C'est le essence d'éclat à l'or pur base de teint. Voilà, comme ceci. Voilà. Et je vais vous le montrer, mais c'est trop magnifique. C'est trop chou. En plus, il fait 6 millilitres, je crois. Ou 5 millilitres. Donc voilà. Et il est comme ceci. Et il y a plein de petites, comme des feuilles d'or émiettées dans la base. Voilà. Et en plus, c'est un flacon pompe. Alors, je sais pas si on va bien voir, mais c'est bien un flacon pompe. Et ça, c'est super pratique. Il est neuf aussi. Et ça, je suis trop contente. Je regrette juste qu'elle n'en avait pas plusieurs. Voilà, il lui est resté que lui. Mais si elle en aurait eu plusieurs, j'en aurais pris, je crois, deux ou trois. Mais bref. Et ensuite, le dernier truc que j'ai troqué à ma meilleure amie. Et ça, j'en suis super fière. Et j'en suis super étonnée. Parce que ma meilleure amie, faut savoir, Margot, du coup, est fan de Rihanna, aimerait plus tard dans sa vie avoir tous les produits Rihanna. Enfin, c'est juste une folle de Rihanna. Et elle m'a passé un parfum de la marque Rihanna. Enfin, en collaboration avec Rihanna parce qu'elle aimait pas trop l'odeur. Et moi, j'en suis super contente parce que c'est mon premier produit, je crois, Rihanna. Enfin, en collab avec Rihanna. Donc, c'est de la marque Rogue, je sais pas comment on dit, Rogue, comme ceci, by Rihanna. Donc voilà, je suis super contente. Et je sais pas pourquoi elle a dit qu'elle aimait pas l'odeur, parce que moi j'adore. Ah ouais, j'adore l'odeur, donc voilà. Et en plus j'adore le packaging. Il est simple, mais en plus, je sais pas si vous allez voir, au fond il y a des genres de pics comme ça. Super beau. Enfin, je l'aime beaucoup. Il fait 50 millilitres, je crois. Ou 30, je sais plus ce qu'elle m'a dit. Mais je pense que c'est un 50. Parce que vu le format, ouais, ça doit être un 50 millilitres. Donc, je suis très contente de l'avoir. Donc, voilà pour mes petits échanges. Aussi, j'ai échangé une petite tour comme ceci. Parce que j'aimais bien les couleurs. Et parce que c'était pour mettre mes rouges à lèvres. Parce que j'ai plus de place, hein, comme d'hab. J'ai échangé aussi ceci pour moi. Alors, ce sera pas pour Liana. Ce sera pour moi. Il y a marqué pour les bébés et leur maman, mais ce sera pour moi parce que Liana, du coup, ma fille, pour celles et ceux qui sont nouveaux, elle en a déjà plein. Donc, c'est un lait de toilette, corps, visage et yeux. Moi, je m'en servirai le matin pour nettoyer mes parties intimes. Oui, parce que je me lave le soir. Comme vous pouvez le constater, je viens de sortir de la douche. Et du coup, pour rafraîchir tout ça, je l'appliquerai le matin. Bref, on s'en fout. Et elle m'a donné ça, par contre, elle me les a donné. Et elle m'a donné aussi du thym, mais je ne l'ai pas pris. Voilà, du thym, du thé. Elle m'a donné du thé, mais je ne l'ai pas pris parce que c'est du thé. Voilà. Et elle m'a donné aussi ces deux parfums-là pour, bah, du coup, pour ma fille, pour Liana. Et puis, elle m'a dit qu'il y avait un souci avec ce parfum. Mais Margot, si tu passes par là, je l'ai réglé ce souci. Alors, il est super dur, par contre, à déboucher. Elle m'a dit que le spray, en fait, il s'était barré et qu'elle n'arrivait pas à remettre. Bah, regarde, j'ai réussi à le remettre et il marche super. Donc, je suis super contente. Puis, bah, Liana adore. Elle est trop, trop, trop contente. Et je lui ai déjà mis celui-ci. Il en reste pas beaucoup, mais c'est assez suffisant. J'en mets pas tout le temps à ma fille. Donc, c'est de temps en temps. Donc, voilà pour le petit échange que j'ai fait avec mes amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. N'hésitez pas aussi à aller voir mon Vinted. Je vous mets tout ça en barre d'infos. Vous abonner aussi, ça me ferait super plaisir. Pour celles et ceux qui viennent tout juste de vous abonner à ma chaîne, n'oubliez pas d'activer la petite cloche qui est vers là. Comme ça, vous serez au courant des nouvelles vidéos. Aussi, n'oubliez pas, ça je le dis jamais dans mes vidéos, mais n'oubliez pas aussi, vous avez le petit paramètre pour la qualité de la vidéo, parce que des fois, on regarde les vidéos, c'est pas la qualité de dingue. Mais n'oubliez pas aussi, du coup,
d'aller dans les paramètres et de changer la qualité de la vidéo pour que ce soit mieux pour vos petits yeux. Sinon, je vous fais à tous de très gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!